Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rogue Legacy. Alors dans le dernier épisode, on a combattu Alexander, on lui a quand même enlevé à peu près un tiers de sa barre de vie, ce qui est déjà pas mal pour un premier essai. Et je compte y retourner. On peut toujours essayer avec l'architecte de retourner chez Alexander et d'aller le recombattre. Je suis vraiment chaud pour ça. Absolument. Ectomorphe, c'est pas une bonne idée. Hypergoladisme. Knockback. Ah oui, ça c'est trop utile. IBS. Je sais pas ce que c'est. Même le plus valeureux des héros ne peut pas souffrir d'une... Bowel, je sais pas ce que c'est. Irritable. Ah, ça veut dire que ça doit augmenter ma défense, je pense. En plus, ça envoie des faux dans les airs, c'est pas mal. Parce que... Alexander, il est gros, quoi. Il est énorme. Allez. Adjugé vendu pour Sir Marvin. Et on augmente... les dégâts. Et la vie. Qu'est-ce que j'ai gagné? Un plastron, non? Une cape. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? Mais vraiment, qu'est-ce qu'elle donne? Ah, plus 15% de critical damage. Ouais, mais encore faut-il le débloquer, quoi, le critique. Il faut vraiment que ça arrive souvent, quoi. Oh, super, je pète. Alors c'est ça, le IBS, je pète. Bounty. Ast? Attends. J'ai mis Ast? Non, pas Ast, ça va pas. Trop tard. Maintenant que c'est mis, c'est mis. Ouais. Équipement. Oh. Night Sword, Night Help. Square Chestplate, Square Brasser et Square Cape. Ok. Ah, d'accord, IBS. You fart a lot. Vous pétez beaucoup. D'accord. En fait c'est ça, IBS. On pète. C'est inutile. Je vois pas ce que ça fait sur les mobs. Ah, peut-être que ça lui donne envie de s'éloigner de vous. Ah, c'est pas mal. Ça serait pas mal, ouais. Ah, putain, j'aurais dû prendre l'architecte, j'ai oublié. Oh, merde. Bon. Bah, du coup, on va s'atteler à rusher jusqu'à la forêt. Bon, déjà, on est sûr que c'est pas par là. On va éviter le clear. Parce que j'aimerais que mon Hokage finisse en un seul morceau. On descend. On monte. Je sais pas pourquoi je le sentais venir. Défaite all enemies, évidemment, au mauvais endroit. Ouais. Ah, je suis passé. Oh non, tout ça pour ça, quoi. Faut y aller quand il tire. Donc du coup on va passer par là, quoi. Oh non, c'est une blague. Oh, maintenant je me suis pris un coup. Je voulais justement éviter ça, quoi. Ok, déjà il y a aucun passage pour la forêt, c'est déjà une bonne chose. C'était de l'ironie. Niveau 43, quoi, c'est bon maintenant, je peux battre les boss facilement. Enfin, les boss, les ennemis. Oh bah non, pas la tour, quoi. Mais je rigole, on trouve le boss. Oh. Alors là, si je one shot ça, moi je dis on y va. Je vais finir ici. Hein. C'est que le premier. Aïe. Oh, et en plus, j'ai du knockback. Ah putain, je suis mort. Bon, au suivant. Deuxième, sinon c'est pas grave. Arc-mage, speltif. Arc-mage, que de la merde. Vous ne conduirez jamais un roller coaster. J'adore cette phrase à la con. Coprolalia, pourcent dièse, ou plutôt hashtag, comme les tweetos. Hein. Les tweetos, après les quickos, c'est les tweetos. Sigle, le sigle E, normalement, là, je crois qu'on l'appelle end. Arrobase. Je pense qu'il y a marqué fuck en dessous. No peripheral vision. On va voir ce que c'est le tunnel vision.
Missy. Yo, j'aime bien marcher sur les toits des maisons comme Assassin's Creed. Non, je rigole, j'aime pas Assassin's Creed. Ah, j'ai horreur de Assassin's Creed. Je pourrais critiquer ce jeu toute ma journée, toute la journée si je voulais. En tout comme Call of ou Counter Strike. Ça, je pourrais le critiquer toute la journée si je veux. Arg. Au lieu de clear, je vais dire directement aller à la forêt. Ah putain, mais évidemment, je tape le premier, je me prends le deuxième. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? L'ennemi qui drop une popo, pas mal. Ah putain. C'est mal ça. Ah non, mais t'es sérieux? Mais c'est de la grosse merde l'arc-mage quoi. Celui-là il compte pas. Donc du coup on passe au suivant. PAD pour le paladin. Ah, Okage, bah évidemment. Dwarfist, peu importe. Je veux un Okage. Okage il bouge vite. En plus j'ai mis une rune de jump, donc c'est déjà pas mal. On commence à se construire petit à petit. Surtout sur le cadavre des boss, n'est-ce pas Kid? Bon, y'a rien, ils sont... Oh merde! Deux fois. Bon. Ça promet. Bah oui, bah oui. Ouais. Moi je dis... Rush. Mais vas-y quoi! Mais putain, mais je peux même pas rush sans crever! Oh putain, ce perso ne compte pas! Un autre Okage. Nostalgique, peu importe. Oh là, on dirait le tuto! Pas mon autre. Reminiscing! Soit y'a ça, soit y'a Baldness. Building. Ou alors Jackin in. On se croirait dans un film. Un vieux film. Okage pourtant. Et Dwarfist. Il était pas censé être Dwarfist. Si je crois. Non, nostalgique, juste nostalgique. J'ai pas pris le bon. Non, le Dwarfist, je crois qu'il est mort. Comme une merde. Oh bah oui. Ah bah oui, si je me prends pas des dégâts, c'est pas marrant. Hein. Je veux la forêt et je veux Alexander. Oh putain, t'es sérieux? Tout le chemin que j'ai fait ne servit à rien du tout. Avec des. Ok, d'accord. Il faut casser le plus de targets. Ouais, une hache qui ne servait à rien du tout. Et la dernière, attention. Ok, bon. 80. 400 gold. Yeah. Ah, il en fallait 10 de plus. 20. 20. En gros, ça veut dire tout casser, quoi. Et si je reviens, les haches, elles reviennent? Non. J'ai fait bugger la musique. Utilité de la pièce, je sais pas. Même pas un zombie, rien. Voilà, fail. Je voulais le faire. Avec un Okage. Ah, c'est faisable. Oh oui. Je l'ai enchaîné à mort. Ah, Botti, c'est mort, hein. Blood Brasseur, yeah. Sauf que c'est de la merde. Moi je veux pas les équipements Blood moi. On dit Bones. La série Bones. C'est rempli d'os. Essayez de comprendre. Comprendra qui pourra. Wow, y'a du people là-dedans.
Je sais que j'étais fan, mais quand même. Faut pas en faire un peu trop là. Le portrait de madame qui n'est jamais fait un fake. Quoi? Oh. Pourquoi je peux pas stopper les projectiles quoi? Mais non, t'es sérieux? C'était quoi? C'était notre deuxième personnage, donc du coup c'est le troisième. Bon. Okage évidemment. Glaucoma, on s'en fout. De toute façon, si je vais dans le Darkness Land, ça changera rien. Upgrade Leash. Et y'a quoi là-bas? Spell Thief, en quoi? En Spell Sword. Oh, tant mieux. Pour combien? Il me faut 1000 de plus. Plus de vie pour les Okage. Au maximum, je crois qu'il peut atteindre les 300. Blood Brasser. Ouais, c'est de la merde. Avec 200, j'achète rien du tout. Je peux juste tout donner à l'autre con de Charon. On essaye d'atteindre la forêt maintenant. Dernière chance pour cet épisode là. Oh oh. Oh oh. Ah putain. Quand je veux pas me prendre de coups, tout le contraire se passe. Ça a toujours été comme ça. Quand il faut que je gagne, je perds. Quand il faut que je perds, je gagne. Et jamais rien ne se passe comme prévu. Oh, t'es sérieux? C'était prévisible. Ça, c'était pas prévisible. Il faut que... Pour continuer, il faudrait que je monte. Oula, il freeze. Non, mais t'es sérieux? Arrêtez de vous ouvrir en avance, quoi. Mais merde, quoi, j'ai plus de vie. Oh là là. Pauvre de moi. Non, dégage. Non, dégage la bouboule. Oh non, pas lui. Manquez plus, puis. Visionnari, le visionnaire. Mon dieu. C'est quoi ce nom de merde? Tout ça pour un petit coffre de rien du tout qui me fait tomber sur une putain de Spike Thor qui me tue. Oh, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez suivi le reste. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous à ma chaîne, suivez mon Twitter. Et on se retrouve pour un prochain épisode qui, je l'espère, sera beaucoup plus riche en argent. Bye les gens.